Il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial. Enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la Slovénie est le début de moi, ce que j'appelle l'Europe encore blanche. Ce qui est terrible, c'est que lorsque vous êtes à l'est, au nord-est de l'Italie, même jusque dans des villes comme Venise, Udine, Trieste, eh bien, vous avez cette même chose qui nous rend la vie insupportable en France. Les rues sont sales, il y a trop de gens, il y a trop de véhicules, il y a beaucoup d'immigration, il y a énormément de musulmans, il y a des noirs de partout, etc. Et dès que vous franchissez la frontière de la Slovénie, vous voyez une différence. Donc là, effectivement, quand on a nos idées, on se dit que la Slovénie est une terre accueillante. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, en Slovaquie, les mosquées sont interdites. Voilà. Une minute de silence pour Ah, vous. c'est... Ah, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est oppressant. Attention à ce que tu dis, toi. On est sur YouTube, tu sais qu'on peut, on peut pas dire ce qu'on Ouais, pense bon, ici, quoi. Voilà. Non, c'est spécial, c'est spécial. c'est bien de savoir que ça existe Voilà. pour comprendre la haine. C'est ce que je voulais dire. La Slovaquie, voilà. Donc la Slovénie.